L'EC et Étoile Construction, voilà les deux entreprises qui avaient répondu à l'avis d'appel d'offres lancé il y a un mois par le secteur des Kakangaï dans les territoires de Miabi. Ce, pour équiper en bancs pupitres et mobilier l'école primaire construite à Bokwambouyi, Benomanzamanda, par les 10 secteurs. Ceci, grâce à la redevance minière perçue de la société Danu Congo d'investissement minier Sassim Boya. La séance d'ouverture des plis a eu lieu au bureau administratif, c'est 11 mai 2023, comme publié dans le média. Pour le chef de secteur, M. Josué Katankou, la procédure de cette cérémonie est bien respectée. On avait lancé un avis d'appel d'offres, c'était le 10 avril, passé ici, jusqu'aujourd'hui le 11 mai, où la cérémonie a eu lieu. On a reçu ne fût-ce que des entreprises qui ont soumissionné pour concourir à ce marché de fourniture. Et on attend maintenant, c'est une période d'une semaine ou de 15 jours pour les analyses des offres. Et celui qui va répondre selon les règles de jeu, c'est-à-dire en respectant les lois de la République, on va l'octroyer ce marché de fourniture qui prendra quand même une durée de 15 jours ou de 30. Optimistes, les représentants des dites entreprises vantent leur savoir-faire et attendent patiemment la suite. Après, nous leur souhaitons un bon traitement des dossiers et nous espérons passer parce que nous sommes chevronnés. Nous avons beaucoup œuvré dans ce domaine depuis plus de 30 ans. Nous souhaitons un bon traitement, lettre de solution. Nous attendons la réponse auprès des DP. Nous avons des expériences. Si vous circulez dans d'autres secteurs, vous allez trouver les œuvres d'Étoile Construction. Témoin de la cérémonie, les coordonnateurs de la société civile territoire de Miabi déplore le désintéressement des entrepreneurs locaux. On voit le nombre de soumissionnaires toujours en baisse. Il n'y a pas de soumissionnaires locaux, mais c'est toute la population qui se plaint. Les activités viennent chez nous, il n'y a que ces Mbujima, ces de Kinshasa qui viennent, alors que sur place, il n'y a aucun entrepreneur. C'est ça la première des choses que nous, société civile, nous devons beaucoup jouer sur ça pour éveiller les consciences de nos frères. Ce n'est pas l'argent qui manque au fils de Miabi. Ils ont l'argent, mais souvent, ils les orientent dans des choses qu'ils ne payent presque pas. Donc, on a vu tout ce qu'on nous a présenté, mais notre souci, c'est que l'œuvre soit vraiment bien faite. Quand l'œuvre est bien faite, elle est durable et ça donne une garantie. Et de trois, on remercie le chef de secteur parce qu'à chaque moment qu'il a affaire, il fait appel à toutes les couches sociales, à la société civile, à la presse. Donc là, il y a une gestion participative. Dans deux semaines, les analyses devront rendre public le nom de l'entreprise qui aura gagné ce marché.